Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Zelda, Majora's Mask, donc sur Nintendo 64. Donc aujourd'hui, nouveau donjon. J'ai pas retenu le nom, mais c'est pas grave. Donc en théorie, lui, il peut pousser. Très bien. Hop là. Repas gastronomique en plus. Ah, un loup! C'est insupportable de se battre comme ça, au secours. Calme-toi, le loup! Ah! La fée qui fait de la merde. Ah oui, mais le temps que je me remette dans le bon sens. Je me fais poutrer. Je suis obligé de le laisser taper dans le vent. Allez, tape, tape, tape. Bim! Ça lui dit. Très bien, on est full life. Mais alors, me dites pas qu'il faut que j'aille chercher... Non, non, c'est bon. Pourquoi il y a la musique du stress? Attention. Ne me stressez pas pour rien. On va mettre le monocle. Qui, en l'occurrence, ne sert à rien, d'accord. Allez, hop. Tu repasses vers minuit, ben, moi, je travaille demain. Donc, il y a peu de chances que je sois encore là. Mais allez savoir. Si Johanny Asnes m'entraîne jusqu'au bout de la nuit, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle a, Taya? Tu devrais pouvoir traverser les endroits glissants. Comme ça, en goron. Ah, d'accord. Hop. Mais je me fais pas pousser? Par contre, si je tombe... D'accord. Merci, le goron. Merci beaucoup. Best intervention ever. Pas assez d'élan, je suppose. Et ben voilà. Je suis coincé. Je me fais poutrer, heureusement que t'es pas une meuf, Sorator. Je me poserai des questions. Ça lui va. N'aie pas l'esprit tordu. Il était cool le live cet après-midi, ce soir. Oui. Mais je pense qu'on va se le garder pour du solo, hein, sérieusement. Hop, comme ça, ça limitera les risques, on va dire, de débordement. Par contre, j'ai pas de... j'ai pas de flèche et je vois qu'il y a une fée là-haut. Est-ce que je peux marcher dans la lave? Est-ce que je peux rouler dans la lave, peut-être? Au pire, je crache, hein. Je crache sur la fée. Ah d'accord, il passe. Sans problème, très bien. Il y avait pas de flèche dans le lot, d'accord. Bon, je pense qu'on va... utiliser la peste mojo s'il me donne pas de flèche. Putain, pas de flèche. Aïe 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 aïe. Peste mojo. Peste mojo. Ah oui, faut pas que j'oublie l'effet, hein. J'y pensais plus déjà avant de l'avoir. Salut Azox. N'est pas l'esprit sera tordu. N'est-ce pas? Allez, crachons sur l'effet, ça n'a pas l'air de marcher. Je pense qu'il faut l'arc, hein, vraiment. C'est pas assez précis. Punaise Crotted Beak. Bon. Je ne sais pas exactement comment on va faire, du coup. Il me faut des flèches, hein, impérativement. Puis ils en donnent pas une... Ouais, c'est bizarre. Ça m'embête, hein. Parce que ça m'oblige à laisser de côté déjà une fée, c'est pas bon. Ça va, oui, j'espère que vous aussi. Je veux récupérer des flèches rejetées. Salut Yanis. Soso, ça roule. Eh ben oui, ça roule. Parce que je me transforme en goron et je roule. Regarde. Mince. Bon, si tu pouvais ne pas te vautrer cette fois. Merci. Ou pas. Putain, je vais sauvegarder là-haut. Casse-bonbon, hein. Casse-bonbon. Allez, hop. Ah, je boycotte ce live. Bye bye, Johan. Révolution. Tu es prié de respecter mes choix pour mes lives solo, merci. Hop. Parce que ce sera du solo, de toute façon.
tac, tac, tac. On va essayer de partir droit, si possible. Là, ça devrait aller. Allez, dépêche-toi. Le vent peut me dévier quand même, je pense. Hein. Ou pas. Arrête-toi, mais... Oh là là. Biscotte ? Quoi ? Ça parle de biscotte ? Ifiter, c'est là ? Putain, mais c'est chiant, là. Clotte de pique. Je suis en train de cramer ma magie pour rien. J'adore passer 15 ans sur une même session. Parce que le gameplay est excellent. Alors, est-ce qu'on a des flèches là-dedans ? Non, juste des cœurs. Il y a aussi une fée ici. Mais donnez-moi des flèches. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah merci quand même. Mince. Hop. Alors, il faut que je mette le masque sûrement. Sinon, elle ne se pointera pas. Alors, pour le moment, je pense qu'on va laisser de côté le masque de lapin. Vu que l'inventaire est quand même assez limité. D'accord. On a trouvé une fée perdue, très bien. Il y en avait une autre... attendez, oui, si. Hop. Parfait. Viens, petite fée. Hop. Donc ça nous fait deux fées, il y en a plus dans la salle, parfait. Alors pour l'instant je pourrais rien faire contre ces machins, donc on va pas essayer de les péter. Tac. On va essayer par là en face. Tic. Ici. Donnez-moi des flèches. Le jour de Cupidon. Eh oui, c'est la Saint-Valentin. Ah d'accord, il pète de lui-même, c'est vrai. Je croyais qu'il fallait que je lui mette un coup d'épée. Et ce n'est même pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une menace. J'entends la musique. Hop. On a un coffre. Parfait. Ah, la carte. Youpi. Très bien, on connaît la carte, merci. Alors pourquoi il y a une fée en plein milieu là, on sait pas, il y a un piège. Non, il n'y a pas de piège. Par contre, il y a encore une fée dans les parages, ok. Mais comment savoir où elle est, je ne sais pas. On va essayer de tout péter avec le goron. Hop. Johan, écoute la voix de la raison. Écoute Charlie. Hop, hop, hop. Oui, moi pour l'instant je vais attendre de voir ce que ça va donner quand on sera sur Xbox avec eux. Et je ferai le point dans quelques semaines, c'est tout. Hop. Parce que sur la Fist One je fais pas plus de vues de mon côté, hein. Tu m'excuseras. Mais... Hop, hop, hop. Allez, on y va. Bye bye Acid. Tac, on va partir sur la droite. Les vases ont été remplis, ça c'est bien ça. Salut Branly. Oh là là, c'est tout en hauteur. D'accord. Ça s'annonce relativement complexe quand même. Hein. Je sais même pas si je peux mettre le feu à la glace avec les flammes qu'on voit, je ne sais pas. Pour l'instant, on va par là. C'est quoi le truc blanc? C'est de la neige. Apparemment, rien de dangereux pour le moment. Forcément, il y a des fées dans la salle, d'accord.
On va se mettre en grand. Et tirer tout ça. Qui est en vacances, pas moi. Bon, les vacances, c'est qu'à Pâques. Allez, hop. Mais alors, concrètement, je... Je peux monter là ou pas? Oui. Je peux pas monter. Donc, quel est l'intérêt d'avoir deux blocs superposés? Ouvre! S'il te plaît. Une petite clé, parfait. Donc Charlie ne se souvient absolument pas de ce donjon, d'accord. Parce que là, je peux pas monter là-dessus, hein. Je peux que pousser, même en étant sur le rebord. Et en frappant, ça fait pas tomber celui du dessus, donc je ne sais pas. On va quand même essayer de mettre les blocs au milieu, au cas où, si on doit sauter, en fait, pour rejoindre les deux plateformes. Hop. Allez, 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 un peu de nerf. Enfin, je sais même pas si c'est utile, là, ce que je fais là tout de suite. Apparemment, si. Ça fait même apparaître un... Hop, 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 hop. Ça fait même apparaître un coffre. Tu as un modo maintenant, oui. Ça fait un moment. Hein. Charlie est parmi nous depuis un petit moment. Bon, ça c'est pour plus tard. On fera le tour, je suppose. Salut Kibix. Alors, la seule porte dont je me souviens, c'est au tout début, pour le moment. Ouais. On va quand même essayer de prendre les escaliers là sur la gauche. Hop. D'accord. Ah mais je voulais des flèches, donnez-moi autre chose maintenant, j'ai besoin de magie. Oh, tu vas manger quoi ce soir? Comme souvent le dimanche, hein, je me casse pas la tête. Donc là c'était des espèces de samosa géants. Je sais pas quel nom ça porte en fait. Alors je sais pas, est-ce que les fées peuvent être dans les feuilles? I don't know. Apparemment non. En tout cas pas ici. Salut Enzo. Oh punaise. En théorie un coup de bouclier, ça devrait les calmer. D'accord, j'arrive pas à le verrouiller. Mais... Tapez-moi dans le bouclier, bordel. Oh. Ils sont un peu bêtes, non? Ils se déplacent de manière complètement aléatoire ou quoi? Viens là. Bim. Verrouille. Ah mais qu'il est con. Qu'il est con. Ah, il est retourné dans ça. Oh là là, et je t'ai pas demandé de mettre ce masque. Avec le changement de caméra, c'est insupportable. Verrouille-le, bordel. Allez, viens. Ouais, mais j'ai pas le temps de l'agresser, là. Il m'énerve. Ah! On s'en fout. Une flèche aussi, ça les calme. Oui, bah. Hein. Il m'énerve. Oh là là. Tu fais quoi lundi pour le nouvel an chinois? Rien de spécial. J'ai rien prévu. Je sais pas si je peux les éteindre en mettant comme ça. La réponse est oui, sauf qu'ils repopent tout de suite. Bon. Non. Verrouille, on va faire la technique à Charlie. Ah! Si j'arrive à les verrouiller déjà. Eh, comment tu les touches ces machins? Ils bougent trop là. Faut qu'ils me foncent dessus, hein. Oh punaise, vous me gavez. On s'en fout, on trace. Et tout ça pour une fée perdue. Très bien.
Il y a encore une fée dans les parages, oui. D'accord. Ça fait combien de temps que tu me suis, je ne sais pas. Un certain moment, j'ai envie de dire. Il me semble que c'est sur Dark Souls que t'as fait ton apparition. C'est quoi ce machin? Je ne sais pas. Comment je peux pas écraser en... Ça a pas l'air de faire quoi que ce soit, non. Je ne sais pas ce que c'est. On va se contenter de passer. Je ne sais plus de quel côté je venais, mais c'est pas grave. Allez, rentre! Je suis où, là? Dans un cul-de-sac, très bien. Donc ça, faudrait l'ouvrir. Mais il peut pas le taper, ça, ça le gèle, je pense. D'accord. Donc la fée manquante, c'est pas à cet étage. Bon, je pense qu'il faut vraiment un item spécifique ou autre chose. Donc je pense que pour l'instant, ici, il n'y a rien à faire. Pas de fée. Alors, il donne un max de magie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des flèches de feu? Je ne sais pas. Bon, on va revenir vers l'entrée pour utiliser la clé. Sera tort ton pseudo. Qu'est-ce qu'il a, mon pseudo? T'as tellement pris la grosse tête que tu twerques plus. J'ai jamais twerké de ma vie, moi. Donc, pas à cet étage, donc on verra plus tard aussi. Par contre, c'est chiant de devoir jongler avec tous les items, là. Je vais remettre le casque de lapin, enfin le masque. C'est d'impratique. Et je me suis trompé, j'ai mis le renard. Pourtant, ça se ressemble pas, mais c'est pas grave. Mon pseudo, il vient d'où? Sora de Kingdom Hearts. Donc, l'entrée. L'entrée. Bah, l'entrée, c'était là, non? Où est-ce que je vais, moi? Ah, c'est-à-dire qu'il faut que je repasse en Goron. Oh là là. Au pire, je me laisse tomber. Parce que je crois pas avoir assez d'élan, de toute façon. Et il n'y a pas de tremplin, donc salut. Hop. Allez! Mais votre vie est nulle. Et vous êtes des enfants, vous avez 12 ans, 13 ans, vous dites ma vie est nulle, mais non. Arrêtez. C'est n'importe quoi. Ah, il est revenu le loup. Ah, le loup. D'accord, il se vautre. Enfin, il se vautre, il se fail. Donc, pas de fée ici, très bien. Donc on peut passer par là. Il y a encore les trucs à faire fondre. Ah, ça glisse. Ça glisse. Hop, hop, hop. Je peux pas me battre correctement, ça dérape. Regardez, tant que je revienne. De loup, et il y en a un deuxième en plus. Meurs! Meurs, Trouduc! Ouais, mais avec le dérapage, putain. Bon, on va revenir à la terre ferme là. Ici, ça doit pas déraper, je pense. Allez, viens! C'est bientôt la fin. Ouais, là, on glisse pas, c'est vraiment au milieu. Allez, tape, tape, tape! Montre-moi ton popotin. Merci. Hop, moi je sais que ça les one shot. Il y a une fée. Enfin, je veux aussi voir ce qu'il y a dans le coffre. C'est peut-être l'item qui va tout débloquer. Sinon tu peux aussi tracer et ignorer les ennemis. Bon, pour être tranquille, je préfère faire le ménage. Enfin, ça dépend des salles en fait. La boussole, donc c'est pas ça qui va débloquer la situation. Il y a un coffre là-haut, ok. Allez!
Tape. Tape, tape, tape. Bon, je me suis frappé. Hop. Pas de fait à signaler, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, a priori rien. On va juste passer notre route. Hein. Est-ce que je peux ouvrir ça, moi? Une bombe? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Hop. On recule. Attention. Plus Shinigami. Hop. Putain, les textures du sol. Ah. C'est quoi ce bruit? Ah! Je me fais agresser par le plafond. Ah! Monocle de vérité? Mais monte! Tourne autour! Monte! Hop, est-ce que j'ai vraiment besoin du monocle? Non. Alors, une clé. En théorie, l'item qui sauve tout ne sera pas là. C'est pas dans un coffre comme ça. Je crois, en tout cas. Et Charlie a un doudou. D'accord. Moi, j'ai bien Bob l'éponge. C'est pareil. Bon, après, je dors pas avec, c'est sûr, mais... Alors attendez, qu'est-ce que je peux faire dans cette salle avec toute cette glace? Je peux rien faire. Encore des flèches, alors s'il donne des flèches... Non! Mais non, mais... Il est débile, hein. Range, range tes bombes. Je voulais utiliser la vue FPS et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bombe. Oh là là. Tu peux pas monter là, t'es sérieux? Tends les bras, mon gars. Ah. Très bien. Bim. Ok. Donc Charlie Harley bouge trop la nuit, c'est bon à retenir. Faudra donner l'info à Yamé. Hop. C'est tellement passionnant de faire ça 5 fois. Là, à quoi ça sert de faire celui-ci? Ah. Pour un rubis. Bon, bah écoutez. Ah mince, il en faut plusieurs. Bim! Allez, on y est presque! Allez, allez, allez! Bah là, il y a peut-être moyen de passer quand même, mais bon. Hop. Il y a quand même beaucoup de jeunes, hein. Je sais pas quel âge il a Shinigami, c'est pas 16, 17, enfin il est parti de toute façon. Hop, allez, on peut se balader maintenant. Tac, je pense que ça, ça se pète avec le Goron ou à la bombe. Ah, gros coffre. Ah, une clé. Bon, ça me permet de passer, c'est déjà ça. On va essayer de récupérer les rubis quand même. Oh, grosse patate, monte, non? Zelda, c'est ennuyant quand c'est pas toi qui joues. Bah pourtant, moi j'aime bien jouer à ces jeux-là. T'as un aspect donjon-exploration qui est assez intéressant. Bon, tant pis pour les rubis, hein. Je cours pas après l'argent. Enfin, quoi que si je pouvais en récupérer au moins un. Je sais plus si c'est du 20. Je crois que c'est 20, 50, ça doit être le violet. J'ai pas regardé à combien j'étais. Ah d'accord, donc il saute trop loin maintenant, c'est pas grave. On trace. Tu préfères des retraités peut-être par rapport aux jeunes? Non mais voilà, il y aurait plus de gens de 20 à 25 ans, ça me dérangerait pas. Alors, ça s'enfonce en Goron ou pas? Hé, hey, t'es pas assez lourd? C'est ça.
Hop, rouge c'est 20. Merci. Violet 50, ok. Merci pour la précision. Ah, ça marche pas non plus avec ça? Et bah voilà. Alors du coup apparemment ouais faut gérer. Est-ce qu'il y a un timer? Je ne sais pas. Déjà est-ce que... Elle me stresse la musique là déjà, c'est pas bon. Calmez-vous les ennemis. Hop, des bombes, donc en théorie on en aura besoin. Hop. Hop. Elle les défonce tout. Mais c'est pas que vous me dérangez les jeunes, c'est que... Bah quand on a un certain âge, on préfère côtoyer... Enfin côtoyer. Oui, être en contact avec des gens qui sont plus proches de notre âge, c'est tout. C'est pas forcément une critique ou je sais pas quoi. Alors attendez. Faut le refaire ici. Tu t'en sors bien pour l'instant, bah on verra au fur et à mesure. Ah bah Kibix non plus, ça rappelle pas exactement du donjon. Ah! Dépêche-toi, mets-toi en boule! Quoi? J'ai pas compris. D'accord, donc vous déjà calmez-vous, merci. Oh, l'autre il reparle de son épilation. Prends-lui, arrête. Alors j'ai pas compris là ce que je dois faire par contre. Attendez, on va réactiver le truc. Ok. Quoi? Je n'ai pas compris. Ah, j'ai compris. Peut-être. Ah! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Vite, ton temps est compté, mon gros! Monte! Qu'est-ce qu'il fait? Il bug! Dépêche-toi, dépêche-toi! C'est bon, on est passé. Alors, attendez, non, non, attendez, là, si c'est pour tomber comme du caca, on va sauvegarder. Système sauvegarde rapide. Tac, j'ai pas envie de me taper des allers-retours à l'infini. De toute façon, je peux pas aller en face là. Il y a de la glace. On a quand même sauvegardé au cas où. Hop. Donc pour l'instant, on passe pas par là. Putain, j'aime pas me déplacer en goron. Hein. Et donc c'est ça, avec Kibix, on est que trois vieux. Et... Charlie, bien entendu. Après, c'est pas péjoratif hein, quand j'ai trois vieux. D'ici, je suis censé faire quoi? Basculer en face? Monte. Monte. Alors attendez, apparemment, il y a encore des faux murs. Regarde. Ah mais faut le truc de Mojo. Enfin la peste Mojo. Oh je sais pas ce que je dois faire. Je me laisse tomber ou comment ça se passe? Est-ce que là je peux rien faire là? Mais si je me laisse tomber j'ai rien débloqué. J'ai manqué un truc là. Beaucoup de jeunes m'aiment bien. Tant mieux. Comment je monte? Parce que là... Ah mais... Non, attendez. Mais non, je sais pas. Tu peux passer... Pour rejoindre de l'autre côté? Contre le mur? Ah là, ça passe ça? Ah mais faut passer en boule. Oh là là. Très bien, ça m'a pas... D'accord, ça m'a pas paru logique. Arrête de glisser toi aussi, là. Hop.
Au revoir, Virus. Hop. On va voir si ça passe. Merci, ça passe, nickel. Alors, on peut aller en face, mais on peut rester là aussi. On va peut-être récupérer un peu de magie. Tac. Allez, on va voir ici. Donc là, on est en haut, par rapport à tout à l'heure, d'accord. Là, je peux rien faire, là. Attends, il y a des... Il y a des plateformes. Oh my god. Ouais, mais lui, il va m'enquiquiner, là. Je sais pas si je peux le frapper. Ne me dis pas que tu connais pas les Monsieur Glace. Fais attention à leur souffle de givre. Je ne supporte pas le froid. Aïe. Ah. Au secours. Voilà, merci. Le casque de lapin, le masque de lapin, je sais pas si c'est un atout ou pas là pour ce saut. Non, on va éviter. Les sauts sont pile poil calibrés. Hop. Et hop. Me dites pas si peut-être une clé. Une fée perdue. D'accord. Ah mais non, c'est quoi ce saut? Non, Link, tu fais chier, hein. Oh, what was that? Ça y va avant ou pas? Bah ouais, bah, j'aurais dû en fait. Je sais plus si la route est longue. Crotte, hein. Parce qu'attendez, on peut revenir par là. Ça rejoint la salle, mais je vais être en bas. Oh mais non. Oh. Bon bah écoutez, hein, petite triche, parce que je me rappelle plus si la route est longue. Chargement rapide. Non, on revient dans le jeu, s'il te plaît. Hop, merci. Donc on est là. Bah passe en face. Donc je ferai une sauvegarde, hein. Mais il est chiant d'avoir fait ce saut de crotte, là. Je lui ai pas demandé, hein. Hop. Au moins t'as la fée, bah je l'ai plus. Je l'ai plus du coup. J'ai la flemme de me retaper le donjon, mais je sais même pas lequel est le plus long au final. Et là, je me fail. Ah bah bravo. Bravo. Génial. Tu fais quoi après? Je sais pas. Soit rien, soit peut-être un petit peu de PS4 avec Johan et SNES pour finir. On verra. Donc ouais, les flèches de feu, bah je sais pas où on les débloque. J'espère qu'on les aura assez rapidement quand même. Parce que la glace est quand même très gênante. Putain, du coup, oh là là. Bon, j'y retourne quand même. Voilà. Un peu de magie, c'est parfait. On fait une sauvegarde au cas où. Fichi. Non, système sauvegarde rapide. On remet le monocle. On refait la même, on n'a rien vu. Tout va bien. Puis là, je vais pas y arriver à tous les coups. Mais ça va, j'arrive à aller droit là avec la manette. Hop. Alors, on a la fée. Bye bye, Branly. Alors, tu pouvais activer la plateforme. Comme ça, si tu tombes, c'est pas grave. Activer la plateforme? Quelle plateforme? Alors, quand j'ai le monocle de vérité, je ne vois pas la glace. C'est très bizarre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un bug? Je sais pas. Là, je peux redescendre. Ah, parce qu'il y a en bas, ce qui est en bas, ça s'active? Non. J'ai pas compris, là. Est-ce qu'on peut sauter direct? Apparemment, non. Le mec qui va tricher comme un porc maintenant. Est-ce que ça passe avec ça? Ah! Hop, parfait. Alors du coup, je vais où là?
Bah en face, tout simplement. Bah, arrête de glisser toi. Avec la flèche de feu, d'accord, c'est pour activer l'œil, ok. Je me doute bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que le monocle de vérité fait disparaître la glace. Je trouve que c'est très bizarre. Hop. Donc, comme j'aime pas le goron, on évite de rester en goron. Tac, allez. Oh my god. Ah, monstre dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, puis il faut être au taquet avec ce gameplay en mousse. D'accord. Parce que la gestion de caméra est quand même légèrement problématique. Hein. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Mince, je vais voir ce que me dit la fée dessus. Donc, ennemi d'un swag étincelant. Bon, on va le laisser apparaître. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est un sorcier, Rob! Saisis ta chance! Quand il commence à attaquer. Ah d'accord, il fait une espèce de flaque. Donc faut le laisser apparaître. Alors je pense que l'arc peut être une solution aussi, mais bon. Ah, qu'est-ce qu'il fait? What is this? Ah, il y en a... Toi, t'es un faux, toi, putain. Ah! Rabu is the true sorcier. Ah, il est là. Merde, je le verrouille pas. Ah, je me suis fait eu. Verrouille-le peut-être, non? Il est où ce trouduc? Ah mais oui, bah touche-moi en plein vol aussi. Putain, mais meurt peut-être, non? Le mec c'est un sac à PV là. En tout cas j'aime bien ce principe de mini-boss. Au revoir. Adieu. Ah donc c'est Lola qui est devenue Naruto 54, ok. Regarde la minimap. Que ah. Ah d'accord, il y avait une indication sur la minimap peut-être. Je n'ai pas vu. Les flashs de feu. Ah très bien. Donc à partir de maintenant, ça devrait nous permettre d'accéder à de nouvelles zones.